I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Donc, bon matin, on est présentement samedi. Il est 9h42, puis on doit partir à 9h45 pour être à l'heure chez à notre rendez-vous chez celle qui organise, on peut dire, le mariage, là, pour que tout soit correct comme il faut à la distinction. Donc, j'ai mis mon petit bandeau que j'ai acheté hier. Ah, oh, je ne l'avais pas montré, c'est vrai. Puis mes cheveux sont juste au naturel, fait que c'est ça, au naturel. Puis j'ai fait un maquillage vite, vite. C'est ça que je me fais quand je suis au travail, dans le fond, là. Fait que des fois, sans le crayon, mais sinon, ça ressemble pas mal à ça au travail. Fait que là, j'ai ma sacoche Kate Spade, celle-là. Je l'aime beaucoup. Je peux mettre mon cartable de mariage dedans. Puis là, je vais parce qu'on va être en retard. Donc, on est ici pour Tim Hortons. J'ai pris un bagel fromage à la crème. Anthony a pris un bain, puis on a un cappuccino glacé. Ça, c'est la salle qu'on va se marier. Non, je pense que eux, c'est un banquet. Ça a l'air d'être un banquet. C'est moins cher, le banquet? Ouais, mais... C'est cute, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être notre salle. Notre table à nous, ça va être deux. On va être juste deux. Ouais. C'est full beau, regardez. Avec la terrasse. Avec un mariage ce soir. Fait que notre table à bonbons, elle va être là avec le bar à poutine. On va avoir une table, nous, ici, comme ça. Je trouve ça cute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont leur livre de signature. C'est là qu'on va se marier. Mais je l'ai déjà montré plein de fois. Ouais. Sauf que là... Oups! Moi, je vais arriver d'ici. Mais ouais, en talon haut, comme elle disait... Non, mes talons aiguilles vont planter dedans. C'est un petit peu plate là. Je vais devoir mettre mes sandales. Ça va être plus beau l'été aussi, tout va être vert. Ouais, 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 c'est beau l'été. Puis il y a des canards en plus. Puis il y a la petite chute au bout qui marche. Ah, je trouve ça cute. Je sais pas c'est quoi ça là, mais. Mais j'aime bien l'idée du pot comme ça. Ouais, c'est cute. Ça, c'est cute. Ouais. Fait que nous, ici, on va avoir notre... Dans le fond, c'est ça, la table de signature. Mais avec nos morceaux de bois, là, à signer. Ouais. Mes talons vont renfoncer dans le sol si je marche avec des talons. Regardez, c'est full cute. Sauf que c'est beau l'été quand il y a des beaux arbres, puis les fleurs. On va essayer de marcher dessus pour voir. C'est cute! Regardez. Ouais. C'est full beau. Ouais. Je vais définitivement pas mettre mes talons hauts. On est au Starbucks. Anthony! T'as pris quoi? Comme d'habitude, devine. Non, demande à eux de deviner. Ah, ils vont deviner. Bon, fait que j'ai commandé le Refresher Hibiscus, mais elle s'était trompée, elle m'avait donné celui à la lime au début. Fait que, après, elle m'aurait donné au lieu de le jeter. Il est super rafraîchissant, je trouve qu'il goûte la lime puis la menthe un peu. Anthony, il y a eu un petit coulis. Première fois qu'il a eu le coulis, hein, Anthony? Ouais. Fait que, mais c'est le fun. Fait que, j'ai pu goûter à celle-là. Pareil. Puis Anthony, comment tu trouves? Ah! Le refresher à la lime. C'est là? Très rafraîchissant, mais je ne boirais pas. Comme je ne calerais pas ça. Mais ça, je ouais. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Mais celle-là pour l'été, ça doit être bon. Ouais. Fait que là, on est sur l'Angelier. Bon, fait que on a été, comme j'ai dit, à la salle de mariage. Puis oui, j'ai des hyper grosses lunettes. Mais j'aime ça, les grosses lunettes. Fait que on a été là-bas, puis je sais pas si ça va filmer, mais c'est plus beaucoup de place. On a été là-bas, puis on a organisé notre mariage avec comme genre on a comme une organisatrice pour notre mariage là, on peut dire, mais on a organisé aux 5 minutes près
comment ça allait se dérouler, mais on s'entend, c'est à peu près, c'est juste pour savoir, mettons, quelle heure j'arrive, quelle heure que la chanson part, quelle heure qu'on fait notre rentrée, quelle heure il y a le punch, puis tout ça. Puis, je suis contente parce que il y a une place à comme deux stops, là, qu'elle disait, deux coins, en tout cas, deux blocs plus loin, qu'on peut. Ah, il porte plus de batterie. Que je peux prendre des photos, puis c'est une, comme une grange est blanche, puis ça fait des super belles photos. Elle nous en a montré. Que je vais prendre des photos là-bas. Que c'est ça. On a organisé pas mal tout ça. Là, il est rendu. Quelle heure qu'il est? 1h43. Bon. Fait que j'ai pris un wrap et faire pour les croustillants sur French, c'est bon, petit hier, wrap là. Ça va être une des entrées qu'on a. Une des entrées. Au cocktail. Dans le fond, c'est du tartare de saumon dans un cône. Puis c'est genre effet miroir. Puis il va être sur un plateau en miroir. Ça va être trop cute. Ça, c'est dans le cocktail qu'on a pris ça. On a fait. Joedao 350 Paraguay, Parano Toca. Puis ici, c'est le. L'horaire dans le fond de déroulement qu'on a fait. Vous entendez la maman en demi en arrière. fait qu'on est vraiment genre de. Aux 5 minutes, genre, toute l'horaire est fait. Mais on s'entend, c'est très. Vague, ça peut changer. C'est juste comme pour être organisé puis savoir tout c'est quand et tout. Quand moi j'arrive, quand Anthony arrive. Puis tout ça là. Ok. Ouais, mais c'est fun. On est avec Anthony. Je suis le grand-père Anthony. Salut. On va pas grand chose. Marco il est là. Connaissez. Personne parle. Marco, vas-y! Ça, c'est notre chanson de première danse. Marco, il est là. Là, on va manger du blé d'Inde ce soir avec quelque chose. Mais t'as-tu une idée, Anthony, avec quoi? Non? C'est des bleuets, des pommes. Fait que là, ça, c'est l'épicerie. Puis c'est tout Marco qui est bien placé. Fait que, on a pris. On a été à la fruiterie. À la... Ouais, mais c'était pas. Ah, pour vrai, même la viande. Mais c'était le même prix que d'habitude, en tout cas. Fait que, à la fruiterie, on a pris les bleuets. C'était 3 pour 5, puis ils sont beaux. Donc, c'est la première fois qu'on est allé à la fruiterie. Ben, on a pris cette fruitée là. Des pommes vertes, les raisins qu'on a goûté, ils étaient super bons, des blé d'Inde. Dans le fond, on va manger la viande comme ça ici. Ça, c'est des. C'est ça là, à l'érable, poivre et chipotle. Donc, oui, puis Marco est là. Peut-être qu'il y en a qui me demandent pourquoi Marco est là. Mais ça est tenté de venir. Ouais. Ah, j'ai presque plus de place. Bon, on a pris une baguette. Du fromage, la laitue, puis... Bon, ok, je fais vraiment dur. Je viens de me démaquiller, puis je viens de me frotter, fait que mon oeil est tout rouge, puis mes cheveux fait ça vraiment dur aujourd'hui, là, mais je savais pas coiffé. Puis il avait séché à l'air hier, fait que... C'est ça. Puis ce bandeau-là, je l'aime, mais il glisse, genre le matériel qui est, fait que... C'est ça, donc je viens de me mettre en chandail, pantalon mou... Hop, mon nez me brûle. Ah, oh, je sais que c'est pas bon de prendre mes yeux, mais je pense que c'est mes allergies qui commencent là. Moi, c'est quand que les feuilles, les arbres poussent pis tout. Puis là, surtout que j'ai un boisé derrière chez moi. Ok, ouais. Alors, c'est ça. Là, il est 6h10, donc ils font un souper. Donc, c'est ça, je disais, le Marco, il reste 5 ans à venir. Donc, il va dormir. Mais c'est le fait parce qu'on a quand même beaucoup de place là pour dormir. Fait que. C'est ça. Il y a de la place. Je pense que Arnel, il était 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui avait dormi à la maison. En tout cas. Fait que c'est ça. Là, je suis vraiment contente de. Mais c'est ça, je n'ai pas filmé la rencontre avec mon organisatrice. Il y en a qui. Ok, ça m'énerve, là, tu vas voir. Il y en a qui se demandent c'est quoi exactement, là, parce qu'en fond, c'est moi, là, qui ai organisé tout le mariage. Mais quand que je faisais affaire avec la place où que je vais. À la distinction. T'as celle qui organise, qui s'occupe que tout soit bien fait sur place, c'est-à-dire elle s'occupe que la cérémonie, tout se passe bien, que elle va m'indiquer où marcher, elle va indiquer au DJ quand partir la musique, elle va comme parler avec le célébrant, puis il va y faire signe, tout ça. S'occupe que tout soit, tous les décors que j'ai, parce que j'ai loué des décors, que tous les décors soient les bons décors, qu'elle s'occupe que chaque table soit mise à la bonne place que je voulais.
Tout ce qui, donc, tout ce qui a rapport à la cérémonie, la salle, la nourriture, la décoration, le déroulement de la soirée, elle s'occupe de tout ça. Fait que ça, c'était comme inclus. Bon, inclus, on s'entend qu'on paye pour ça, là. En tout cas, dans le prix que j'ai payé. Fait que c'est ça. Mais c'est moi qui ai organisé tout mon mariage. Mais là, c'est ça. Fait que j'étais vraiment contente parce qu'on a fait vraiment... Je vous l'ai montré un petit peu, là, le plan détaillé de ce qui se passe à chaque, genre, 5 minutes près, là. Mais on s'entend, c'est un plan vague, comme... C'est juste pour nous indiquer... Telle heure, c'est ça, telle heure, c'est ça. C'est surtout le début qui est important, là, comme que Anthony doit arriver à telle heure. Après, moi, j'arrive à telle heure, la musique part. Moi, le cortège commence à avancer. Après, c'est moi. Donc, c'est ça. Puis ça, ça m'a comme tout, ben, pas rassurée, mais comme encore plus avancée. Dans le sens que je savais pas que ça allait être tout fait comme ça. Je pensais que j'allais le faire moi-même, mais on l'a fait ensemble. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Puis, dans le fond, tous mes petits détails, elle a tout su répondre à toutes mes questions. Je trouve qu'elle est vraiment super bonne, là. Puis, en tout cas, c'est ça. Puis, que j'allais dire? Fait que c'est ça. Puis, elle m'a rassurée dans le sens que, comme, au début, elle a dit, puis comment ça avance? Comme, ben, tout est pas mal fait. J'ai fait, tout est pas mal fait. Je dis, ouais, pas mal tout, là. Puis, dans le fond, il aurait juste à aller acheter la bague, ma bague. Puis, t'sais, en attendant, tout le reste est pas mal fait. J'ai fait un menu, faudrait que je fasse mes autres. Ben, juste les cadeaux d'invités à faire, mais t'sais, je peux pas les faire vraiment d'avance, là, comme c'est de la nourriture. Ok. C'est ça, là, ah ouais. Là, on fait tout. Puis là, dans le fond, il y a une section où elle me fait une to-do list, mais genre, il y avait juste pratiquement rien à mettre, là, dans la to-do list. Fait que, wow, t'es vraiment très, très, très bien organisée et très avancée parce que, elle dit, il y a des mariés, là, que, comme il y en a qui se mariaient dans 3 semaines, c'est genre un mariage de 300 personnes, puis il y a plein de choses que moi j'ai faites que eux, ils avaient même pas faites encore, là. Fait que, ça m'a rassurée de savoir que j'étais vraiment, tu sais, dans les temps organisés, comme, là, est-ce que t'as rencontré les fleuristes? Comme, oui, ça, c'est mon bouquet. Fait que, ok, tout est déjà fait. Genre, oui, tout est déjà fait. Fait que ça m'a comme rassurée, mais je savais que j'étais organisée puis que j'étais dans les temps, mais. On dirait que ça me rassure de me faire dire par quelqu'un qui sait comment organiser un mariage. Fait que, puis elle, c'est elle qui a organisé son mariage à la distinction, justement, à la même place qu'elle s'est mariée. Puis, c'est super beau le site, là, comme je t'ai montré, pour prendre les photos. Là. Ça, j'aime vraiment ça. Mais elle, justement, j'avais regardé ses photos de mariage. Puis, elle avait pris des photos devant une genre de grange bleue, là, comme... En tout cas, vieux bleu, là, pis je trouvais ça full beau, fait qu'elle nous a montré c'était où. Mais là, l'autre organisatrice qui était là, elle a pris des photos devant une vieille grange blanche, super belle, ça fait comme, genre, rustique, là. Pis c'est genre à deux stops, elle dit deux blocs, tu sais, ça se fait à pied ou comme en auto vite. Pis on peut prendre des photos là, fait que j'allais prendre des photos là aussi, ça va faire super beau aussi, là, comme sûrement avec, genre, les gars et filles d'honneur. Parce que, en tout cas, ça va être hot, là, comme photo devant ça, puis ça va faire différentes choses. Parce que, dans le fond, on va avoir 1h30, 2h, comme pour prendre les photos avant de faire le souper. Dans le fond, notre souper commence à 6h. La cérémonie, elle commence à 3h, elle va finir à 3h45. Fait qu'on va avoir comme, ben là, comme de, on va prendre la photo de groupe, mettons, à 4, puis, en tout cas. Fait que, tu sais, ça fait, genre, jusqu'à 6 après. Prendre les photos. Ben, 5h40, on fait notre entrée. Fait que c'est plus 1h30, là, qu'on a pour prendre les photos. Mais entre 1h30 et 2h. Fait que, en tout cas, ça m'a tout rassurée. Puis là, j'ai choisi pour mettre les... Parce qu'on a un bar à bonbons. Puis pour prendre, comme, les bonbons, tu sais, dans le fond, elle m'a suggéré, elle disait que c'est vraiment populaire, cette idée-là, c'était de prendre des cups à muffins. Puis, comme ça, les invités en mettent là-dedans. Pis là, j'étais comme, là, comme, comment tu veux des coupes à muffins? Je suis comme, ben, je sais pas, là, corail, monde, c'est dans mes couleurs. Puis là, j'étais comme, ok, ben, y a-tu vraiment beaucoup de possibilités? Comme, on peut tout avoir. Je suis comme, ok, ben, je les veux avec des petits pois dessus. Ah, fait que c'est ça, je vais avoir ça. J'étais comme, je pensais que c'était trop, genre, poussé mon affaire, là, je suis comme avec des petits pois, mais c'est ça, je vais avoir. Je suis contente. Puis là, la seule chose, comme, elle a renvoyé un courriel à. Celle qui s'occupe des bonbons, parce que faut qu'elle me propose des bonbons dans mes couleurs, parce qu'elle m'avait dit, ah d'accord, corail et menthe, mais je veux savoir quel bonbon, là, que corail et menthe, je veux pas qu'elle prenne n'importe quoi. Mais je sais que, j'ai dit, il est dans la liste, je prends des melons d'eau.
Même si c'est pas, tu sais, c'est genre rose vert, là. Mais j'aime trop les ballons d'eau, là. C'est mes bonbons préférés, fait que c'est sûr qu'ils sont là. Ok, c'est ça, je suis contente. On a comme tout planifié le plan. On a finalisé pas mal tout. On a dit le nombre que ça devrait être exact. Là, il manque quelques réponses à avoir pour le mariage. Puis c'est pas mal ça, je crois. Ouf, j'ai eu comme pression tout d'un coup. Fait que je suis très contente. Très, 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 très contente. Je veux trop ce porte-livre-là de 3 fois par jour. Là. Il est vraiment beau, ben, comme livre de recettes. Là, parce que moi, quand que. Ouh, que c'est ça? Bon. Moi, quand que je veux faire une recette, surtout son livre est vraiment gros. Fait que là, je laissais tout le temps le livre à, comme sur la table ouverte. Puis, j'ai des tâches. Okay, en tout cas, je laissais le livre sur la table ouverte, mais là, à chaque fois, je revenais pour regarder dedans, mais il était fermé. Fait que je veux vraiment, il est vraiment beau en plus. Sauf que c'est. Tu sais, le matériel est comme or, là. Moi, ma cuisine, c'est plus gris, argent, tout ça, mais il est trop beau. Fait que je le veux vraiment. Puis là, j'ai comme une petite wish list dans ma tête de choses que je veux pour ma fête. Mais si j'ai aucun cadeau, je peux avoir aucun cadeau, mais je sais qu'Anthony va m'acheter un cadeau. Okay. Je vais vous partager ma petite wish list. Mais ma petite wish list. C'est pas vraiment petit, là, mais en tout cas, il y a ça. Il y a l'appareil photo, le petit appareil photo là, instantané, genre. J'en rappelle plus c'est quoi la marque, là, mais vous savez qu'il est dans des couleurs pastel. J'aimerais vraiment soit le bleu bébé. Il est vraiment beau, le bleu bébé. Le rose aussi est beau. En tout cas, j'aimerais savoir ça. Puis mon ultime cadeau, c'est le Ninja. Mais le kit à 189 du Costco. 179, en tout cas, ce prix-là, là, il est cher. Mais il vient avec comme le mélangeur et le. Genre, il vient avec les deux gros morceaux. Puis des petits verres pour faire des smoothies comme ça. C'est genre ma wishlist. Comme. Ultime, là, que j'aimerais vraiment avoir, mais c'est des choses que j'aime plus recevoir en cadeau que de dépenser pour ça. Parce que tout mon argent, ben, pas tout mon argent, mais en tout cas après le mariage, tout l'argent que je vais garder, que je vais dépenser, ça va être surtout pour des trucs pour la maison. Ben, des petits trucs comme ça que je veux participer là, mais il y a plein de choses que je veux dans la maison, puis là, j'attendais après le mariage. Puis hier, quand j'ai filmé dans ma chambre en haut, j'ai vraiment aimé l'éclairage parce que ma chambre en haut, ma chambre principale, et à la chambre des maîtres. Elle a vraiment des grosses fenêtres, là. C'est comme des 3 grosses fenêtres. Ça, 2 grosses fenêtres. En tout cas, c'est gros, puis il y a plein de soleil dans la journée, genre. Parce que, dans le fond, mes 2 autres chambres sont dans, tu sais, du côté opposé. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, puis pas beaucoup de soleil, mais de ce côté-là, vraiment beaucoup. Puis ça va être trop beau avec les meubles que je veux décorer, là. Fait que ça va être mon premier projet. Quand que. On s'est mariés, tu sais, on se marie quand même dans 2 mois et demi. Là. Après ça, mon projet, ça va être vraiment ma chambre. Alors, j'ai trop hâte de décorer. Bon, fait que. Ah, oh, Anthony, tu peux fermer le bruit du. Merci. Okay, on a un plateau avec. C'est quoi le fromage que tu as choisi, Marco? Je sais pas. Il y a un commandant. Puis alors, tu le bruit? Sûrement. Ça que, on a fait avec les petits raisins, le pain. C'est cute, Anthony, la présentation. Il y a fait de la salade César, on a un blé d'Inde, puis la viande, c'est... on va montrer ça. Cette viande-là est vraiment bonne. Fait que, mets-moi là, je vais prendre une photo après. On était à la crèmerie, puis moi j'ai pris un yogourt glacé. C'est ça, yogourt glacé, fraise cerise, toi Anthony? Je vais pas montrer la rue, c'est pour ça. Mon père le pas. T'as pris quoi? Un ouragan. Au riz. C'est la même chose. Ouais. Puis c'est vraiment bon. Puis j'aime beaucoup la crèmerie proche, mais je vous dirai pas c'est quoi. Les loin, il a volé ton idée. De quoi? Il fait des blogs maintenant. Ah! Mais c'est bon. Tu coupes normalement pour que ça aille. Je coupe normalement. Marco est en train de couper les cheveux à Anthony. Anthony qui lui dit tout quoi faire. J'ai hâte de voir ça. Parce que là, il était vraiment dû pour une coupe de cheveux. J'ai quand même des nids dans le miroir. On
pas la fenêtre. Pourquoi ça paraît que c'est pas connaître un rasoir? Ben c'est toi qui me disais d'aller pas en avant, je fais ça. Ouais, yeah, mais tu fais juste la même place. J'essaie de. Parce que je veux pas couper plus que ce que tu m'as dit. Moi j'ai écouté des vidéos, puis je mangeais des bleuets. Parce que tu vois, ça c'est vraiment. Anthony a les cheveux courts. Allez, monte ta côte, monte ta côte. Ouais. Mais son but c'est. Tu veux faire un couette? Ouais, il veut faire un couette. Parce que moi jamais, avant j'avais les cheveux très longs. Avant Anthony avait les cheveux comme Jacob. Ouais, là comme Jacob, ok, comme. Jacob dans Twilight. J'avais les cheveux de peau. Dans un. Mais ça fait vraiment propre pour mon travail. Donc comme ça je peux garder une couette. Et ça fait propre à plus du côté. Bravo Marco. J'attends juste que ça pousse un peu. Ouais. Donc, j'étais en train de faire le ménage de la cuisine. Je viens de. Ben, il me reste ça à nettoyer. Mais je viens de partir le lave-vaisselle. Donc, il reste juste les plats, genre, à nettoyer. Puis, j'ai un bouton ici. Fait que j'ai mis la crème pour le bouton. Fait que c'est pour ça que c'est tout blanc. Puis, je vous ai écrit que. Je vous ai écrit tantôt sur Instagram que j'allais bientôt. Ben. C'est ça, dans le fond, je vais aller à Québec, mais je vous l'ai dit dans le blog d'hier. Puis, je voulais un restaurant pour vous conseiller, puis comme 90% d'entre vous dit l'atelier. Puis, j'adore les tartares, donc j'ai vu que c'était leur spécialité. Alors, ouais, tu peux parler? Non, c'est pas toi, je pense que je veux juste savoir, mais je me fais un récupérateur. Fait que... Je vais choisir un tartare. C'est quoi votre tartare préféré? C'est qui aime ça? Je voudrais savoir. Ah, j'ai presque plus de batterie. Donc, c'est ça. Demain, Anthony va faire le changement d'huile parce qu'il l'a pas fait la semaine passée. Puis, on va aller aussi chez Jessica, de Jessica and Fashion. Fait que, c'est ça. Ça va être une belle journée demain. Donc, c'est ça. À demain tout le monde. Bonne nuit!